Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur Stellaris avec le patch Megacorp où je joue une conscience électronique, une je ne sais plus, attends. On va revenir dessus. Espèce, tiens. Les TKBot. Je sais plus comment envoyer ça. Enfin, si on prend ça, toutes les populations capturées grâce au Proval, c'est effrayant. Donc nous sommes une intégration mécanique et on pourrait les assimiler. On pourrait les assimiler, oui. Économe, talentueux. Là, en ce moment, ils sont un peu tout. Ils sont repartis de l'espèce assimilation. Hein. Comment on sait qu'ils sont assimilés? C'est ça le truc. Point restant. Là-dessus, je me perds un peu. Par contre, pourquoi là, ils sont 5 comme ça, étant dans la montagne? Ils ont ça. Et la différence, c'est quoi? Économe et l'autre, c'est talentueux. On veut ça. Situation log adjusted. Allez, vas-y, on va les améliorer comme ça. Faudrait revoir un petit peu vos commentaires. Tiens, là-dessus, ça m'intéresserait. C'est vrai qu'assimilation, ça, je découvre. Et ils sont tous, en fait, en intégration mécanique. Alors, les plantoïdes. Ouf, peu adaptatifs. Solitaires. Ah, ils me coûtent cher comme ça. Point de trait restant et pour enlever c'est moins 2. Sachant que je suis parti de là. Hein. Et donc il va leur rester habitabilité. D'accord, moins 10%, c'est pas méchant. Unité. Ressources brutes. Les logements, écoute. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Pourquoi je peux pas l'appliquer ? En assimilation. Définir les droits. La sublimation, bonheur, moins 50. Ah ouais, la vache, ça fait mal, hein. Et comme ils sont en intégration mécanique, je ne peux pas les assimiler, d'accord. Bon bah ça répond à ma question et on se retrouve du coup, j'aurais dû laisser le temps défiler, excusez-moi. Je me pose des questions existentielles des fois. Alors est-ce que je vous l'ai dit, c'est l'épisode 30 et j'adore de plus en plus ce jeu. Donc ça baigne, on va pouvoir améliorer en citadelle. Ah, alors ça, assemblage des pop. Est-ce que c'est utile? Pas trop. Le canon électrique avancé, allez, je suis tenté, là c'est en 7 mois et l'autre c'est en 11. C'est vrai que les torpilles, tout ça, on n'a pas trop débloqué tout ça. Bon, ça monte en puissance. On est bien. Alors, message de la Omnicontinuum. Et en échange... Ils veulent une seule unité de travailleurs sur Alpha Complex pour l'intégrer dans la matrice de préservation. Enfin, sur... Ah, c'est les préservateurs anciens. Oui, bah oui, oui, oui. Aucun problème. Hein. On est mécanique, nous, on s'en moque un peu.
Il n'y a pas de souci. Et Bubule, t'es à 5200 et tu vas bien. Bon. C'est quoi ça? Genetic parameter successfully altered. Citadelle, 2300. Oh, tu me coûtes cher, Simone. Étant donné que c'est celui que je crains le plus pour l'instant. Et là... La capitale, oui. Forteresse stellaire, Celestia. Allez, pour le fun. Alors, entité alien identifiée. Une entité tubulaire est arrivée en orbite de Thium Prime. Sans la moindre mise en garde ou explication, elle semble se déplacer sans moteur ni propulseur. Si on l'étudie, ok, on a un projet spécial. Sinon, la sécurité. Oh, on va étudier. On est en quelle année? 2350. On n'arrive pas près d'un problème, là, à ce niveau-là. L'invité inattendu. En 2 mois. Vas-y. Ah, d'ailleurs, Lama L, on en est où? On n'est que à 3 sur 5. Ah ouais, il faudra peut-être débloquer un peu quand même, là. Bon, dès que j'ai 2 flottes de dispo, on va envahir. On va les laisser travailler, hein. Où est l'assimilatrice? Elle est là. Ah ouais, décidément... Et là, il y a des flottes de 3000. Ouais, il y a 10 000, quoi. 10 000 de puissance. On a quasiment presque le double. Ok. Fusion des transports. Special project complete. Alors là, on gagne des points d'ingénierie. En dépit de recherches intensives, l'énigmatique cache ses origines restent voilées de mystère. Bon, on sait que c'est pas organique. Ça collecte des stockages, encodage, données. Ouais, bah, c'est un observateur, c'est un drone d'observation. Ça marche. Planetary settlement procedure initiated. Du coup, nous... Ship augmentations completed. Construction complete. 21 drones qui font la gueule. Putain, mais il y a un pétage de plomb là. Ouais, dépôt de maintenance en urgence. Ok. Ah, une planète qui a été terraformée. Alors ça donne quoi? Pas content, pas content, pas content. Punaise, mais arrêtez quoi. Un secteur. En logement, on est bien, hein, mais autrement. Sont assimilés. Ah oui, ils produisent rien pendant ce temps-là, puisque je les ai assimilés. Pigé. Peut-être pour ça que ça coince. Ok. Bon, Ailleurs, ça va, hein. Tout le monde fait pas la gueule, hein. Honnêtement. Par contre, énergie, ça me plairait. Éléments rares, particules, ça commence à coincer un peu. Petite centrale chimique, je suis pas contre. On peut avoir plus de logements qu'un bastion, mais est-ce que c'est utile? Purification des minéraux. Alors ça, oui, vu le nombre de secteurs, oui. Dépôt de maintenance en service, oui. Voilà. Alors les torpilles, c'est fait. Ah, on va augmenter un peu comme ça, et ça prend 16 mois. C'est pas mal, hein, cette construction rare. Propulseur à plasma, torpille blindée, autocanon, Stormfire.
Le propulseur à plasma. Ouais. Ils sont 45, 46, il y a des emplois disponibles à gogo. On va faire du service. Ship augmentations completed. Une centrale d'énergie, on l'a. Construction complete. Un labo de recherche. Le poste des sentinelles. Allez. Merci pour le nouveau trait. Bon. Tout ça est bien compliqué. Dépôt de maintenance, service. Ah oui, mais décidément, arrêtez. Quoi. Construction complete. Un troisième. Je survole. Je survole, survole, nous survolons. Mais c'est une cata. Technological acquisition successful. On fait du service, mais non. Faut ça pour l'instant. Allez. Et du coup, on va redonner un de chaque. On va le faire bosser un peu. Et est-ce qu'on peut revenir à nos flottes? Presque. Oh, la pénurie de service, quoi. Plus 3, et là, ça monte à plus 6. Il y a un gros problème là-dessus, hein. Bon, essayez de pas déprimer avec ça. Et... ah, quand même. Plus de dégâts. Habitabilité. Capacité navale plus 30. Il est temps de voir nos flottes. Très bien. Richcoult est encore en maintenance, mais les deux autres sont prêtes. Le centre alpha. Deux cristaux comme ça. 10 en physique, 10 en sociétal et 10 en ingénierie, 30 en unité. C'est bien ça. Oh, je dirais habilité, on va voir. On va dire à la simulatrice de venir. On a 322. L'invis de l'armada. Et eux, ils sont à combien? D'accord. Eh ben écoutez, on va ralentir. Est-ce qu'ils sont alliés avec quelqu'un? Non. À une trêve. Donc ça me semble bon. Alors ça fait quoi un protectorat? Ah oui, non, mais ça, on veut pas. Devenir vassal. Moi, c'est ce que je veux. Confirmer. Alors. Il refuse. D'accord. Et est-ce qu'on peut voir les vaisseaux du coup? Il y a juste une flotte. On peut pas les voir. Ah bah écoute, l'invincible. L'invisible. Qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser faire ou on envahit? Allez, on déclare la guerre. Mais on n'a que la simulation. Planetary settlement procedure initiated. Et moi je veux vassal. Bon, les bouquins, on s'en fout. Annulé. Attends. Je veux pas devenir vassal. Je veux exiger.
Alors par contre, s'il devient tributaire, 25% de ses revenus minéraux et énergétiques, bof. Ouais, bah non. Allez. C'est bon. On va faire gaffe, hein, quand même, parce que si je me propose d'être vassal de quelqu'un... Voilà, tu y vas. La signatrice en urgence, là-bas. Allez. C'est parti. Et Richcool, ça va, ça monte. Construction complete. Okay. Construction complete. Bon, du coup, Rapinoc, oui, en défense. C'est pas grave, ça ne coûte que de l'alliage. On va être bien. Et on y va. 17 000. Ah, oh, mais ils sont en train de fuir. Hop, hop, hop. Engage-le. Où est-ce qu'ils vont, eux? Ah, ici. Ils fuient, en fait. Hostile fleet assets engage. Ah, ça y est, on les a eus, attends. Alors, comment ça se passe? On va les observer. Ils ont des boucliers de... Oh, ça va. Ils sont pas si nuls, hein. Ça bastonne, 16 600. Ah, j'ai perdu 3000 points quand même, hein. Si on peut détruire sa flotte principale, ça me va. Après, quand je regarde... c'est clair que là... On va arriver à la Boki Tribe, après. Inférieur... Fédération avec la Panaxala Empire. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous inférieurs, maintenant. Ouais, ok. C'est un peu mou du genou, les gars, là. Faut bouger. Technological acquisition successful. Voilà. Allez, un peu de technologie pendant ce temps-là. Le disrupteur phasé. Oui, laser gamma. C'est un émetteur électrique. Oh, c'est bien, ça. Hyper bouclier. Moi. L'intelligence autonome me fait un peu peur. 30 mois. Attends, il y a eu quelque chose là. Il y a eu un burst. 18 mois. Ah oui. On va prendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On a dû fabriquer quelque chose en science. Porte-elle, oui. Propulseur et impulsion. Post-combustion améliorée. On va booster les missiles. Alors, ici. Drone subalterne, plus 5% production. Plus 2 en logement. Compétence du gouverneur. On n'a pas à se plaindre, là. Voilà, je prends ça. Par contre, je perds des cristaux. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, par contre, je viens de penser à un truc. Dégâts causés, oui, on va les prendre. Blindage, oui. Explosif, oui. Munitions volatiles, oui. 391, oui. Oui. Les capteurs si on veut. Non, on est bien. Allez, hop. On se fait plaise et en stock du coup. On est large. J'avais oublié d'améliorer mes flottes. Bon, je suis à 15 000 ici. Comment ça se passe?
va attaquer la station. Elle est à 2000 de défense. Vaisseau de transport. Ok. L'assimilatrice arrive tranquillement. Construction complete. Et la flotte québécoise n'est pas encore prête. Technological acquisition successful. Je pense qu'on peut envoyer le transport. Et on va nommer. On va prendre celui-là. On va récupérer le général. Qu'est-ce qui se passe? Insulte. Ah oui, bon, on s'en fout. On s'en fout. Habitabilité, oui. En nourriture, on a plus 306. Habitation des mondes morts, plus 20%. Ouh! Une base stellaire de plus, mais c'est 87 mois. Ça, c'est génial quand même, 63 mois. Mais les mondes morts. Non, allez, on part sur la toux d'ascension. Je vois pas trop ce que c'est. Et on est quand même monté à 17 900. Serait-ce nos boucliers qui se régénèrent? L'astroïde, là, il prend une claque. Hein. Non, mais ça va assez vite. Voilà. C'est à nous. Donc, on a Ralekek. Ok. En armée défensive. 932 quand même. Construction complete. Et il va bombarder directement, c'est sympa. Et j'ai une flotte de plus de 1000. Comment ça se passe? Ouais, ça risque de piquer un peu quand même. Ah, mais je suis à 1600. Technological acquisition successful. Allez, on y va, si on est deux fois plus fort. Canon d'essai à pointe coque des croiseurs, ça me plairait. Blindage en place d'acier. Allez, si on peut l'améliorer. Planetary pacification protocols. Initiate. Voilà. Bon, le temps que l'invasion se passe, on est en train de sécuriser cet endroit. T'en es où, Ishkul? Bon, il y a encore des choses. 100%, 100%. C'est les derniers vaisseaux? Ouais, il reste plus que ça. Très bien. Bientôt en forteresse. Alors, en lassitude de guerre, il faut pas qu'ils partent trop vite en sucette. 40%. Ah, nous, on est que à 3. Ça va nous faire un sacré morceau. Après, est-ce qu'on prend Temla ou on prend celui-là ou celui-là? Moi, j'aimerais bien faire un bloc. Bloquer Boki Tribe, en fait. Ça pourrait être sympa. Ça se passe très bien. On va surveiller un peu l'invasion. Désengagé, j'en ai 4. Ça cogne très dur. Hein. Peut-être avance un peu. Alert. Hostile fleet assets detected. Où ça? Ah, à Dumir. Alors c'est quoi celle-là? 8000. Ouh, bah ça va. Là, il y a combien? 500. Il reconstitue une belle flotte. Hein. Et là, 5000. Pour l'instant, on va sécuriser ce noyau-là. Puis dès que Ishkul est prêt, hop. Alors du coup, oui, la signatrice, tu arrives, c'est bien. 14 000, est-ce que je peux t'upgrader? Puissance maximale, il me reste un peu de choses à faire. Corvette, croiseur, destroyer. Ground invasion units have achieved all objectives. Alors attends.
ça. On va laisser d'abord Rishkul monter. Et on a une station en trop maintenant. Du coup, ok. On peut la détruire. On s'en moque. Et on est chez nous. Très bien. Hostile stationary asset engaged. Station à 3000, mais ça va. Ah là, on est bien. On a passé un cap finalement, les petits peuples voisins, ça y est, on les poutre. Alors si j'assimile tout le monde par contre, je virerai des gouverneurs. Hein. On mettra des gouverneurs sur les gros secteurs. Ok, ça c'est à nous. Bah du coup tu avances là. Fusion, et vous allez par là. Et on va prendre un général. Dégâts provoqués, collatéraux. Plus 5 et... Ship augmentations completed. Ah, il plaît bien celui-là. Technological acquisition successful. Attends, armées font 10% et un tiers à côté. On monte à 15% des dégâts provoqués par les armées. Le moral aussi est pas mal. Hein. Et techno. Je vais être full partout, ça doit venir complètement ouf. Torpille blindée, missile S1. Post-condition améliorée. Oui. Du coup, ici. Rétrogradé. Là, on est bon et on réactive. On peut envoyer la flotte. Que Rishkul est prêt. Alors. C'est ça le truc. On va l'envoyer. On va l'upgrader et on va voir ce qui se passe s'il me faut plus du coup. Voilà, il vient de popper. Armée 466, off. Construction complete. Posez les armées. Mettons. Alors, Ralefek. Pour l'instant, on vous envahit, donc vous allez attendre. Alert. Hostile fleet assets detected. À la limite, hop. On peut toujours faire ça. Construction complete. Très bien. Ah, il y a une planète qui est là quand même. On va attendre qu'il y ait... On pourra faire un chantier et réparer. Est-ce qu'on peut déjà sans se barrer? Non. Alors on attend Rishkul. Planetary pacification protocols. Sur Sim, c'est parti. L'Empire Lilaro a été détruit par ses ennemis. Oh, attends. Ah merde. Citadelle, citadelle en cours. Ouais, bah écoutez, on va serrer les fesses. Hein. Il faudra que je m'en occupe. Allez, la petite guerre. Et nous, c'est la Galactic Xeran régime qu'on explose, d'accord. Toujours en assimilation. Alors, la flotte québécoise est arrivée. Bon, est-ce qu'on le laisse en défense? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Du 10 000. Ah bon, il y a Rishkul en nettoyage, ici.
Ouais, Richcool est parti par là. Ground invasion units have achieved all objectives. On va tapoter un peu ici. Est-ce que je fais un chantier spatial? Pourquoi? Est-ce que tu veux réparer? Ouais, on peut supporter un peu. Ah, et Richcool, t'arrives là-bas, c'est cool. Mais c'est une planète encore à prendre. C'est une planète, donc on va envoyer construction complete. C'est une gamme. Construction complete. Poser les armées. Ok, ça on va le faire. Allez. On explose tout hein, quand même. Portail désactivé, heureusement. Les autres transports, on les explose. Ici, je peux pas trop m'amuser à partir comme ça. Construction complete. En même temps, construction complete. On va faire un pari. Ouais, c'est pas grave, ça. Il vient. Voilà, et on va envoyer l'autre transport avec. Et du coup, ici, on va le choper. Ah, il vient de partir, d'accord. Planetary pacification protocols initiated. Excusez-moi, j'étais en train de rigoler avec mon micro. Ah, on arrive à la fin de l'épisode. Construction complete. Frustrant. Richcool, n'arrête pas. Vas-y. Ah là, c'est pas bien par contre. Quoi, 21 encore? Pourquoi il n'occupe pas? Planetary surface settlement established. Ouais, c'est vachement long, c'est pour ça. Alors, petite guerre ici. Ok. Là, on y va, c'est logique, ça me plaît. Ground invasion units have achieved all objectives. Merci d'obéir. Ah. Voilà, la flotte de transport voulait pas m'écouter. On va aller. Construction complete. C'est quoi ça? Un habitat orbital? Construction complete. Alors ça, du coup, on va le laisser envahir et on envoie la simulatrice par là. C'est parti. Ou même la simulatrice réparée, tout simplement. Ça, ça me va. On peut rien faire parce que ce n'est pas encore à nous le système, d'accord. La flotte québécoise, que vas-tu faire? On fait le pari que ça passe. Bon. Planetary pacification protocols initiated. Voilà, ça c'est gagné, bravo. Bravo, bravo. Est-ce que je peux le ramener là du coup? Parce que là, il n'y aura plus trop. On va le ramener là. Construction complete. Construction complete.
Et du coup, il va me faire quel parcours? S'il repart de là... Ouais, c'est bon. C'est bon. On va le laisser en blocage. Technological acquisition successful. Bon bah, tout se passe très bien. Ça, c'est topé. Rich Cool, tu fais ton taf. Oh, attends. Stop. Stop. 6 et 9, 15 000. Ah ouais, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. On peut pas encore. Pause 2 secondes. Eh ben écoutez, on va finir juste ça. J'ai trop de ressources de quoi, trop d'énergie. Eh ben ça tombe bien, on va acheter des cristaux, des biens de consommation, ça bouge pas. De la terraformation, oui. On va faire nos stocks. Hein. Ah, on peut y aller. Hein. Là, si j'en prends 17 000, voilà, ça le calme. Et la nourriture, on peut vendre. Impeccable, ça c'est réglé. Ingénierie. Ici, antimatière. Mais on va faire la porte L. Il faut bien débloquer des points. Et on verra au prochain épisode la stratégie. Merci à vous d'avoir suivi. C'était l'épisode 30. Et la guerre d'assimilation contre la Galactique Xiran Régime a commencé. Et ça va piquer un peu. Ouais, c'est ça. En fait, elle a bougé. Saloperie. Il est parti en fait. D'accord. Ah, Amy, je peux l'envoyer même là. Hop. Et il faut que Rich Cool y tienne. C'est pas encore à nous là? Alors attends, il y a un truc là qui va pas. Avant de vous quitter. Ah, parce qu'on a capturé celui-là. Voilà. On peut faire un chantier spatial. On va faire des batteries de canon. On est à beaucoup trop. Aile d'acquisition externe, c'est quoi ça? Brouilleur, ordinateur de ciblage. Bon là, on a un petit truc qui bloque. C'est vrai que si je l'attaque, il est à moi... ouais, enfin bon. T'inquiète, un gros mot. Mais on verra ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode 30. Je continue à parler des heures et des heures. C'était qu'à moi avec vous, le protectorat TKBot. À bientôt. Bye bye tout le monde.